vous regardez RTL. C'est vrai qu'il a senti le vent du boulet, vous avez vu, et là, pour la dernière, bah, il a décidé de tout donner. Il était un peu sur la sellette, et puis là, il se dit qu'il faut qu'il lui en reste pour Neuilly. Qui c'est qui a dit que j'étais sur la sellette? C'est Plaza, monsieur. C'est monsieur le taverneau. C'est notre con là-bas, en bout de table. Il passera jamais le périph. Celui qui loue l'appartement de sa mère depuis 15 ans. Tu veux qu'on te le tienne? En disant, maman, cette fois-ci, il faut déménager. Non, mon chéri. Vous voulez regarder les émissions de Stéphane Plaza, Pierre? Bon, j'arrête pas. Ah ouais. Bah, tu veux pas l'éviter, hein, En général, je suis de mauvaise humeur parce que c'est le moment où je me fais des œufs sur le plat, il reste jamais de ketchup. Bah, faut en racheter. C'est facile, tu vois. Pourquoi tu râles tellement? Parce qu'il n'y a pas de ketchup. Mais non, c'est à cause de l'autre con. Et alors, il monte, tu vois. Ça dépend, là, c'est pas la même chose. Alors là, si vous voulez, t'es malheureux, ils ont des jolies maisons, ils ont mis des petits napperons partout, ils ont fait des trucs, alors ils sont là. Le mec, en général, il peut plus arquer, le mec, il a bu tellement de pastaga. Il a tapissé les murs, d'ailleurs. La femme est allée chez le coiffeur, enfin, chez le coiffeur. C'est une copine à sa belle-sœur qui fait coiffeur. Qui s'est peut-être déplacé d'ailleurs. Oh là là, mais c'est assez important. Là, là, il regarde. Et... Alors il va, il ouvre la porte, il sait quoi? Oh ben ça c'est la chambre à Jean-Claude. Mais Jean-Claude, alors il a toujours peur lui. Quand ils disent il a été tué à la guerre. En disant prenez-moi à la place d'un otage, enfin, les trucs qu'ils font maintenant. C'est pas possible. Non, c'est qu'il vit sur Montbéliard. Il vit sur Montbéliard avec une femme institutrice qu'il a connue, justement à côté là, juste à côté de. À Besançon. Non. Montbéliard, je te dis. C'est pas moi, c'est lui qui a parlé. Mais c'est qui dit Besançon? Sa femme, elle vient de Colmar. Elle était sur Colmar. Voilà. On a vu la même émission. Et le problème, c'est qu'ils... Alors il dit, c'est bien, mais... Et alors les deux, ils sont là comme ça. Vous voulez vendre? Il dit, ah ben oui, c'est pour ça que vous êtes là. Ah lui, bien sûr, oui, alors. C'est quoi d'écrire? Stéphane Plaza vient de renverser sa table. Il rigole dans son coin. Il dit, c'est bien, mais c'est un peu daté. Alors il dit, daté pourtant. C'est rare qu'on mange des fruits. Alors il dit, mais comment daté? Il dit, oui, on voit bien. Ah, ben oui, ça fait un peu années 60. Elle dit quoi? Elle dit non, c'est en 67 qu'on a fait. Elle dit non, oh, les années 60. Alors, c'est pas en 60. Elle dit tais-toi. Voilà. Combien vous croyez qu'on... Il dit si vous cassez, tous les malheureux, toute la maison. Ils ont fait faire des trucs en fer forgé. Ils ont dit tout le polluant. Tout leur amour dans des cadres qu'ils ont achetés. Les cadres sont pas mal. C'est le milieu qui est horrible. Alors tu m'as dit, mais si vous vendez... Oh mon Dieu. Si vous enlevez tout ça... Et notre décoration, il fait le mec. Il a dit, vous la première fois. Alors il dit, mais écoutez, il faudrait garder tout. Alors elle fait, la femme, elle fait... Bon? Oui? Mais quand même, on garde la commode. Il supplie Plaza de leur garder la commode. Et lui, non. Non. Faut rafraîchir. Et alors, il y a une connasse avec lui qui fait... qui sans écouter les malheureux, elle demande à Plaza... Ça part, ça? Oh mon Dieu! C'est tellement ça, en fait! C'est ce que je vais dire à RTL à la fin de cette émission. Ça part, ça?